Les fans de Kate et du prince William ont désespérément besoin de photos du couple après un double baptême royal qui a eu lieu ce week-end. Les bébés royaux de la princesse Eugénie et de Zara Tyndall ont été baptisés dimanche à Windsor. Des membres de la famille royale, dont la reine, ont été photographiés en train d'assister à l'événement au Royal Lodge de Windsor Great Park. Les fans du duc et de la duchesse de Cambridge se sont tournés vers Twitter pour spéculer sur l'émergence de clichés de la paire. Les Cambridge auraient été parmi les membres de la famille royale assistant à l'occasion familiale. Un utilisateur de Twitter avec le pseudo @lovecambridge a tweeté « J'espère que nous aurons quelques photos de la famille royale quand ils arriveront au baptême d'Aou et de Lucas. » Dans un autre tweet, ils ont ajouté « Des photos de William et Catherine. » Où personne ne les a vus arriver lol. Un autre avec la poignée @show_rachel a répondu, exactement ce que je recherche. Un autre, @jecoréa10, a ajouté, il m'a semblé qu'il était sur le siège arrière de la voiture de Peter Philippe. La reine, Eugénie, Jack Brooksbank, Lara et Mike Tyndall faisaient partie des membres de la famille royale photographiés assistant au baptême. Les fans royaux étaient ravis de voir le monarque sortir après qu'elle ait récemment dû se retirer d'un certain nombre d'engagements. Un utilisateur de Twitter avec le pseudo @lamsi, c'est si bon de l'avoir bien, et dehors. Contente qu'elle se soit rendue au baptême de ses arrière-petits-enfants. Que Dieu bénisse HMTQ. Une autre, @ether410, a ajouté, vous avez l'air radieuse votre majesté. Le fils de Zara et Mike. Lucas Philippe a été baptisé aux côtés d'Auguste, le fils d'Eugénie et Jack. Eugénie a été aperçu en train d'arriver à la résidence royale de Windsor juste avant 16h dimanche. La reine a été photographiée en train de partir sur la banquette arrière d'un Range Rover noir juste avant 17h. Le monarque, qui n'a pas pu assister au service du dimanche du souvenir au cénotaphe plus tôt ce mois-ci en raison d'une entorse au dos, portait un chapeau vert citron.